démocratique allemande est un État ouvrier et paysan. Tous les pouvoirs politiques appartiennent aux travailleurs de la ville et de la campagne. Le Parti socialiste unifié d'Allemagne est le moteur du développement social. Presque toutes les entreprises sont dans les mains du peuple. Environ 95% du sol sont exploités par des coopératives et des fermes d'État. Les résultats de la production servent donc directement aux travailleurs, ce qui entraîne l'accroissement continu de la production, de la productivité du travail et du niveau de vie matériel et culturel. Cela s'exprime aussi dans la construction des villes et des villages de notre République, en particulier de Berlin, capitale de la RDA. Les différentes zones d'habitation sont toujours rattachées au centre-ville. Le programme de construction de logements voté en 1971 par la Chambre du Peuple doit permettre de résoudre la question du logement en RDA. Quand nous avons largement développé des branches industrielles importantes, on a construit de nouvelles habitations, par exemple à Rostock et à Dresde, qui furent gravement détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale. La politique de l'habitat de la République démocratique allemande vise à créer des conditions de plus en plus favorables partout dans notre pays afin de satisfaire les besoins matériels et culturels des citoyens à la campagne comme dans les villes. On a surmonté la dispersion de l'habitat à la campagne. La République démocratique allemande est divisée en 15 districts. Dans celui de Halle se trouve le centre de l'industrie chimique de notre pays. Son nom est Halle Neustadt, la ville des travailleurs de la chimie. Avec la construction du pipeline Amitié, qui vient de l'URSS, on a construit en RDA de nouvelles usines pétrochimiques. On a voulu en même temps améliorer les conditions de vie des ouvriers de l'industrie chimique. Le capitalisme nous a laissé un lourd héritage. Tandis que quelques-uns vivaient dans le luxe, les masses des travailleurs qui créaient les richesses des bourgeois vivaient dans de mauvaises conditions. La plupart des ouvriers habitaient près de 300 localités situées dans les environs des anciennes usines. Cela a eu pour conséquence jusqu'à 2 heures de trajet pour se rendre au travail, 12 heures de travail par jour, de longs trajets de retour jusqu'au lieu d'habitation. Les ouvriers étaient hors de chez eux entre 14 et 16 heures par jour. Ils ne disposaient pratiquement pas du temps libre nécessaire pour se consacrer à la famille, à la formation complémentaire et au repos. Dès 1923, les communistes allemands ont mis à nu la politique anti-ouvrière de l'habitat des trusts et des gouvernements en proclamant la devise « Pas d'étranglement de la ville de Halle ». Mais ce n'est qu'après la prise de pouvoir par le peuple, avec la victoire remportée par l'armée soviétique et ses alliés sur le fascisme, que les anciennes exigences de la classe ouvrière ont pu être satisfaites. Le 15 juillet 1964, on a posé la première pierre de la ville de la chimie, Halle Neustadt. Le premier édifice de la ville nouvelle fut une école. La décision de fonder la ville fut prise sur la base d'une coopération étroite entre les travailleurs du district de Halle, les organismes d'État et les organisations du Parti socialiste unifié d'Allemagne et des syndicats des entreprises. Il fut décidé de construire une ville de 110 000 habitants. Pour cela,
créer de bonnes conditions d'habitat et de vie, ainsi que des systèmes complets de transport comme condition préalable du rythme normal de travail par équipe et de la stabilisation du personnel des usines chimiques. Construire un centre d'éducation, satisfaire les besoins des habitants sur le plan du commerce et des prestations de services, et garantir l'encadrement médical et social. Il a également fallu assurer un nombre suffisant de places dans les écoles, les jardins d'enfants et les crèches. De nombreuses discussions eurent lieu. De nombreuses idées et propositions des habitants furent prises en considération dans la planification. Les habitants ont approuvé avec tout l'emplacement proposé parce qu'il est proche de Halle, le centre du district. Les citadelles des seigneurs féodaux, mais aussi l'esprit de l'humanisme qui a trouvé son reflet dans l'université fondée en 1694, ont marqué la physionomie de la ville. C'est ici que le festival de Handel a lieu chaque année. L'infrastructure de la ville de Halle sera à la disposition des habitants de la ville de Halle-Neustadt. Par la loi de reconstruction votée dès 1950 par la Chambre du peuple de la République démocratique allemande et qui a réglé l'utilisation des biens-fonds et des terrains vagues pour réaliser des projets de construction dans l'intérêt de la société, on a éliminé toute spéculation sur les terrains, ce qui a créé les conditions préalables pour l'implantation rationnelle de la ville. On a examiné plusieurs propositions d'emplacement. Le choix s'est limité à 6 variantes. En tenant compte de l'analyse de la qualité hygiénique de l'air, de la possibilité de raccordement la plus favorable au réseau général des transports et de l'analyse du sol, on a trouvé un terrain plat situé à l'ouest de Halle, lequel s'est révélé comme l'emplacement le plus favorable et ne nécessitant que peu de démolition. Un important groupe de travail, d'urbanistes, d'architectes et d'ingénieurs s'est chargé de la tâche sociale suivante, à savoir planifier et aménager la ville de Halle-Neustadt d'après les principes de l'urbanisme socialiste. Ce groupe était dirigé par le professeur Pollic et le docteur Schlesier. Ils ont profité des expériences faites en RDA et en Union soviétique au cours des constructions réalisées. Les projets ont été discutés avec les combinats de construction et soumis à l'adoption par le gouvernement. La construction de Halle-Neustadt a nécessité l'emploi de méthodes industrielles. Plus de 100 entreprises et plus de 400 travailleurs participent à la construction de la ville. Grâce à l'effort et la qualification des travailleurs du bâtiment, la construction de la ville a été très rapide. La brigade spécialisée de la chaîne numéro 7 et son chef Günther Kroll, héros du travail, se sont particulièrement distingués par leurs résultats remarquables. Pour assurer l'approvisionnement de ce chantier géant, on a remis en état une cimenterie. À côté du futur emplacement de la ville, on a construit une usine de panneaux préfabriqués, prévue pour la construction de 2000 logements par an. Le chantier de Halle-Neustadt est devenu le symbole de la construction de logements avec des méthodes modernes et industrielles. On a optimalisé des plans de réseau, programmé le déroulement de la production
et dirigeait des processus partiels par des méthodes modernes d'organisation et de traitement électronique des données. Un dispatching control et règle le déroulement des travaux. La construction de la ville se déroule par étapes. En procédant ainsi, on équipe les différents complexes de façon à ce qu'ils représentent des ensembles d'habitations autonomes où naît une nouvelle vie urbaine. Les magasins et les autres services se trouvent dans les centres de ces ensembles d'habitations. Les écoles, les crèches, les jardins d'enfants et les terrains de sport sont à la périphérie de la ville et forment une transition au paysage. L'urbanisme est conçu de manière que les habitants qui vont en ville aient diverses impressions, toujours nouvelles en passant par ces différents complexes d'habitation. Le centre de la ville, avec ses installations principales, sert aux habitants de tous les ensembles d'habitation. En 1967, le titre de ville fut décerné à Halle-Neustadt. Dès lors, l'ensemble des élus de la commune et le conseil municipal se sont chargés de la gestion et de la planification de la construction ultérieure de la ville. La représentation des ouvriers dans les organes directeurs des organisations syndicales et de l'État est élevée. Par exemple, 59 élus municipaux sur 144 travaillent dans les combinats chimiques. Cette représentation élevée assure l'influence directe des ouvriers sur la construction et la vie dans leur ville. Depuis que la représentation populaire municipale a commencé ses activités, c'est une femme, Madame Liane Lang, qui est maire à la tête du conseil municipal. Les directions des combinats chimiques assument leurs responsabilités dans l'accroissement permanent du niveau de vie à Halle-Neustadt en établissant annuellement des accords communaux. Une série de réunions nommées « Rencontres avec le maire » approfondissent les rapports entre les citoyens et les organismes directeurs de l'État. La volonté de créer une ville pour ses habitants et avec eux est la cause décisive de ses activités. La ville représente déjà leur chez-soi. Même les petits-enfants participent à l'embellissement de leur ville. Les nouveaux élèves de l'époque de la première pierre de Halle-Neustadt se préparent déjà au baccalauréat. Les habitants ont décoré la ville. Le visage d'une ville est marqué premièrement par les idées des urbanistes, deuxièmement par le travail des ouvriers du bâtiment et troisièmement par les habitants qui prennent possession de leur ville. La ville de Halle-Neustadt représente une synthèse plusieurs fois démontrée des efforts des architectes et des artistes qui façonnent en commun avec les habitants l'aspect de nos villes. Parmi les artistes, il faut citer des artistes renommés tels que Willy Sitt et le professeur Renaud. Une visite de l'atelier du sculpteur Martin Wetzel. Le Conseil consultatif pour l'aménagement urbain et les beaux-arts analyse des projets d'aménagement de la ville en contribuant ainsi aux décisions des élus municipaux. Ici, on discute le projet d'une sculpture représentant un groupe qui se trouvera plus tard dans le centre de la ville. La plupart des habitants de Halle-Neustadt travaillent dans les combinats chimiques de Buna et Leuna. On a construit une ligne moderne de métro aérien entre la ville et les usines.
La durée du parcours est de 10 à 20 minutes. Étant donné le fait que la partie urbaine du métro est souterraine, il a été possible d'installer la gare directement dans le centre de la ville. À la relève des équipes, 6000 travailleurs doivent se déplacer entre la ville et les combinats chimiques dans un délai de 40 minutes. Des lignes urbaines d'autobus complètent le trafic du métro aérien. Pour aller au travail, les transports individuels ne jouent presque aucun rôle. Cependant, à Halle-Neustadt, il est souvent difficile de trouver une place de stationnement pour sa voiture. Une partie essentielle de la vie des citoyens se passe dans les ensembles d'habitation. La vie socialiste communautaire se développe dans les centres de ces ensembles d'habitations. Ces centres sont de 6 à 8 minutes à pied des habitations. Ils contribuent à l'amélioration du milieu environnant. Leur disposition et leurs fonctions doivent assurer plus de temps libre aux habitants et avant tout aux femmes qui travaillent. Ici, les magasins sont concentrés. De plus, les différents centres disposent de services culturels et médicaux, de restaurants et d'autres services. Étant donné qu'en République démocratique allemande, la plupart des femmes travaillent, il est naturel de créer un grand nombre d'installations pour les enfants. Conformément à notre conception égalitaire de la société en RDA, il n'y a pas de complexe d'habitation pour privilégiés à Halle-Neustadt. Le directeur général habite à côté de l'ouvrier qui commande les installations chimiques. Tous les logements disposent des mêmes équipements de base. Les loyers sont bas et stables. En République démocratique allemande, le loyer représente 4% du revenu familial. Les familles nombreuses touchent une allocation de logement. Les commissions d'habitat élues dans les usines au sein des syndicats sont responsables de la répartition des logements. En procédant ainsi, on tient compte des critères sociaux tels que le nombre des enfants, le travail par équipe, etc. Les grandes entreprises se sont également responsables de l'intégration de nouveaux habitants dans la vie urbaine. Les entreprises en commun avec le conseil municipal essaient de familiariser les nouveaux locataires avec les possibilités qu'offre la ville. Les nouveaux locataires font la connaissance de leurs futurs voisins, ce qui crée la base d'une communauté d'habitation. Les résidents de ces communautés contribuent à l'organisation et développement de la vie sociale et veillent à ce que la propreté et l'ordre du milieu environnant soient observés. Dans ces communautés, les expériences vécues en commun créent un esprit collectif qui sert le développement d'une compréhension mutuelle et de bons rapports de voisinage. Dans toutes les agglomérations de la RDA, les habitants contribuent volontairement et pour une grande part à l'entretien des espaces verts. À peu près 80% de tous les espaces libres de Halle-Neustadt sont entretenus par les habitants. À Halle-Neustadt, on a planté environ 100 000 arbres et arbustes. Halle-Neustadt est une ville animée en même temps qu'un grand chantier. Tandis que l'on aménage des terrains d'habitation, on construit également le centre de la ville. Le plan d'urbanisme comprend trois zones étroitement liées. Au centre de la ville se trouve la place centrale, prévue pour des manifestations. Elle est bordée par le centre culturel et l'hôtel de ville. À cette zone se rattachent les services et des magasins. Le centre de la ville est exclusivement réservé aux piétons.
Les grands axes de circulation le contournent. C'est le centre d'éducation que l'on a construit en premier lieu au centre de la ville. Cette zone importante du centre de la ville met en évidence le système d'éducation socialiste. On y trouve l'école, élargie à 12 classes, des écoles professionnelles et des installations pour la formation permanente. Le combinat polytechnique est une nouveauté. On y donne des cours sur l'introduction à la production socialiste. Grâce à des machines, des appareils modernes, les élèves y ont la possibilité d'acquérir les connaissances pratiques nécessaires à leur future activité professionnelle. Cet enseignement est dirigé et financé par le combinat chimique du BUNA. Quant au sport de masse et de compétition, le centre d'éducation dispose de beaucoup de possibilités pour des loisirs actifs. Toute la journée, ce centre est une zone de communication animée. Il offre ainsi toutes les conditions pour que les jeunes puissent vivre de manière active et heureuse dans cette ville socialiste. La construction de Halle-Neustadt est un exemple d'organisation systématique d'un grand complexe, de conditions socialistes d'habitat et de planification approfondie à court terme pour la construction par étapes de la ville. Chaque ensemble d'habitations peut y remplir toutes les fonctions dès son achèvement et tous les habitants ont les mêmes bonnes conditions pour ce qui concerne l'habitat, l'approvisionnement, les activités sociales et le repos. Halle-Neustadt est aussi un exemple de concentration de moyens du secteur des constructions de logements et d'établissements communautaires pour la réalisation d'un projet d'urbanisme d'envergure, afin de garantir la conduite complexe des travaux de construction et d'obtenir une efficience économique et sociale élevée. C'est enfin un exemple d'emploi de l'urbanisme socialiste et des méthodes modernes de la construction industrielle. La ville de Halle-Neustadt est un exemple parmi tant d'autres de l'activité des travailleurs du bâtiment en République démocratique allemande.